il y a très longtemps, la Chine était un pays de paix. Mais après que les Mandchous eurent conquis la Chine, les choses changèrent. Les taxes furent instituées et les temps devinrent durs. Hung Shi Wang, Fang Sheng Yu et Lucas Chai étaient trois élèves de Shaolin. Ils organisèrent ensemble une confrérie pour combattre l'indésirable Qing. Leur mission était de protéger le peuple et de sauver la Chine des tyrans de Qing. Oung Shi-wan! Osé tuer notre chef. Oh, capitaine, croyez-vous que c'était prémédité? Bien sûr. J'ai eu des renseignements concernant un homme qui s'appelle Hung Shiwan. C'est un combattant dangereux. Il a avec lui deux frères, Feng Xinyou et Luk Ah-Choi. Ils complotent contre Qing. Oh, mais ce sont des révolutionnaires. Ils ne restent pas longtemps au même endroit. Ils vont être difficiles à attraper. Ils sont très forts, à moins que... Oui, à moins... À moins que l'on se serve de leurs gens pour les battre. Excellent. Nous utiliserons leurs gens pour les battre. Moi, je ne trouve pas l'idée excellente, c'est impossible. Mais si. Je sais, par exemple, que Hung Shiwan, Fang Chen Yu et Lucas Chai sont disciples de Shaolin. Je connais leur façon d'agir, mais il faut faire attention en les attaquant. Je les aurai tous, soyez tranquilles. Nous avons des problèmes très importants, maître. Avec certains disciples de Shaolin. Ils menacent de renverser Qing et ils ont dit qu'ils menaceront ceux qui travaillent avec le gouvernement ou au temple de Wuton, qu'ils tueront le prêtre. J'ai très peur, car ils sont décidés à nous avoir, maître. Ridicule. Ce sont des sottises. Oh, bien sûr, mais pour eux, vous êtes plus qu'un combat. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Pour ce travail, pourquoi ne pas en parler à Fung Tao Te? Fung Tao Te? Ah, oubliez-le. Oh. Et pourquoi? Il paraît qu'il est allé rejoindre les disciples de Shaolin. Voulez-vous répéter? C'est simplement la vérité. Maître, ne soyez pas en colère. Fung Tao Te vous regarde avec mépris, c'est vrai. C'est les rares. Il a même osé dire qu'à son avis, vous étiez un sorcier. Mais je n'ai pas dit un mauvais sorcier. Fung Tao Te a dit ça? Il s'est permis de dire ça? J'ai rapporté la vérité, maître. Alors je m'occupe de lui. Fung Tao Te! Ah! Je suis le plus grand combattant. Si je voulais, je pourrais t'écraser avec mes mains. Pars. Oui, je suis là, maître. Pars à la recherche de Fung Tao Te. Oui, mais... À la recherche de Fung Tao Te! À la recherche de Fung Tao Te! De Wudang avait pour ambition de dominer tout le monde au Kung-Fu. En tuant en premier le combattant Fung Tao Te, il s'est perfectionné dans une technique du Kung-Fu spécialisée pour favoriser ses coups. Le papillon est un insecte très agile. Or, la nouvelle technique du Kung-Fu du prêtre est inspirée du papillon. Elle a le pouvoir de changer sa physionomie et de tout faire flotter. Elle était connue comme étant le coup du papillon. C'est invincible. Personne ne peut résister, ne peut supporter. Aïe, viens. Oh. Oh. Salut, Chai. Salut, Chai, qu'est-ce qui lui arrive? Chai. Mon frère, Chai. Fang, non, ne parlez pas. Allez chercher mon oncle et dites-lui qu'il vienne. Oui, tout de suite. Allons à l'intérieur, vous serez mieux. Oui. Oh, oh, doucement. Appuyez-vous. Voilà. Nous y voici. Sortez, je m'occupe de lui. Oui. Ah, Chai. Que vous est-il arrivé? Le moine de Wudang. Il m'a attaqué. Oh, il est très fort. Le moine de Wudang? Oui. Pourquoi a-t-il fait ça? J'ignore ce qui se passe, mais c'est étrange. Et j'ai peur. Peur de quoi? Pourquoi aurions-nous peur de ce moine? Ah, Chai, il paraît que ce sont les hommes du prêtre qui vous ont attaqué. Est-ce vrai? Oui, c'était eux, Hong. Eh bien, je vais leur donner une bonne leçon. Je vais leur montrer qui nous sommes. À tout à l'heure. Shi-wan. Où allez-vous? Je vais aller prendre contact avec ce moine. Vous ne pouvez y aller. Pourquoi ça? Nous ignorons ce qu'ils veulent. Il n'est pas question d'aller là-bas. Patientez. Frère, vous vous comportez comme une fille. Pourquoi voulez-vous patienter? Je ne suis pas une fille. Vous devez apprendre à vous contrôler. Ne pas agir comme un fou. Je veux savoir ce qui est arrivé. Je vous l'ai déjà dit. Vous n'irez pas. Frère! Je suis votre frère aîné. Vous ferez ce que je dis, Hong. C'est compris? Mais... Chi-Wan, occupez-vous de Ah-Chai, c'est mieux. Chi-Wan, que faites-vous? Vous devez m'écouter. C'est bien compris? Je suis désolé, mais j'irai là-bas. Vous ne pouvez pas entrer. Vous allez mourir. Laisse-moi entrer. Car si tu m'en empêches, c'est toi, mon gars, qui vas sûrement aller dans l'autre monde. Qui êtes-vous? Tu le sauras bientôt. Où était Oung Shiwan? Il était dans cette pièce. Il n'y est pas, nous ne l'avons pas vu sortir. J'ai regardé partout, il a disparu. C'est étrange. Ici, c'est un endroit sacré. L'ennui, c'est que votre prêtre l'a profané par ses méfaits. C'est un déshonneur et une honte pour chaque Chinois. Que dites-vous? Du calme. Ah, vous cherchez la bagarre, c'est bien ça, hein? J'aimerais savoir qui vous êtes. Je suis Hung Chi Wan. Je vous connais, hein? Vous êtes un rebelle qui complotait contre le gouvernement de Qing, hein? Vous êtes un fou, vous n'auriez pas dû venir ici, imbécile. Je veux savoir ceux qui ont attaqué mon frère, sinon je me bats avec vous tous. Vous pensez pouvoir nous battre? Oui. Essayez d'abord de me combattre. Attrapez-le. Maintenant, je sais qui a attaqué mon frère. Utiliser à fond ma nouvelle technique. Il est très agile, mais pourtant je le tuerai. Oui, nous pouvons le retrouver sans difficulté. Il n'est pas allé loin, il doit être au village à côté. Partez avec vos hommes, je suis sûr qu'il s'y trouve. Si vous ne le trouvez pas, sachez que je ferai détruire ce village. Pas. Je ne sais pas qui c'est. Va te coucher, tu parles toujours trop. N'aie pas peur. Qui est là? Vous êtes maître Hung? Oh oui, c'est moi. Vous avez été blessé? Oh, maître Hung. Venez, je vais vous aider. Aïe. Allez réveiller tous les gens du village. Fouillez chaque maison. Je veux que l'on trouve ce Hung à tout prix. Allons-en. Allez, allez, vite que ça. Allez, ouvrez. Ouvrez, voyons. Non, maître. Vous allez avoir des ennuis. Je dois partir. Non, maître Hung, ils vont vous tuer. Ouvrez la porte. Ouvrez vite, frère. C'est moi et Chao. Vite. Frère, vite. Vite, faites partir Maître Hung de chez vous. Ils arrivent. Ils vont fouiller la maison. Vous devez le faire sortir. Dépêchez-vous. Ils vont fouiller ici. Mais oui. Dites-moi, frère Chao, vous ne voudriez pas trahir Maître Hung, n'est-ce pas? Oh non, Maître Hung, surtout pas lui. Il lutte contre Qing, il est notre espoir. Oh non, jamais je ne pourrai le trahir, quoi qu'il arrive. Ah, c'est bien. Allez dehors, surveillez, je cache Maître Hung. D'accord, d'accord, j'y vais tout de suite. Oh. Je sais que tu as aidé les rebelles contre nous. Maître, maître, je... N'essaie pas de mentir. Oh. Parle. Oh, ça n'était pas facile. Je n'ai pas eu le choix. Oh, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé Maître Hung. Tais-toi. Si Maître Hung a disparu, pourquoi je saurais où il est? Il peut se débrouiller tout seul. C'est vrai? Écoute bien, si tu ne parles pas, mes hommes vont te torturer, sergent. Oh. Oui, maître. Occupez-vous de lui, faites-lui délier la langue. Oh non, il est innocent. Allez, suivez-nous. Oh, attendez. Oh. Arrêtez. Arrêtez. Suffit. Relève-toi, je t'écoute. Je suis ici. C'est moi que vous cherchez, n'est-ce pas? Vous ne vous échapperez pas cette fois-ci. Si vous me voulez, venez me prendre. Certainement, je n'ai pas peur de vous. Oh, Maître Hung! Reste tranquille. Je vais m'occuper d'eux. Garde, que faites-vous? Attrapez-les! Je ne me suis jamais autant amusé. Merci. J'ignorais que vous étiez aussi amusant. Allez, 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 venez, venez, venez! Attention à ton nez! Votre technique en kung-fu n'est pas assez forte pour moi. Alors, que faisons-nous? Oh, réfléchissons. Votre maître vous a-t-il appris ce geste? Hein? Bâtard! Ça s'appelle faucher le nouveau foin. Faucher le nouveau foin? Oh, mais je vous tuerai! Allons-y. Ciao, Kaouchi. Oui, je suis là. Jette-les dehors. Oh. Avec plaisir. Hey. Il n'y a aucune trace de blessure. Et pourtant, il est toujours malade. J'avoue que je ne comprends rien. Frère Fang, je crois savoir. Notre frère a été blessé par le coup du papillon. Que pouvons-nous faire? Seuls les moines de Wuton sauraient le guérir. Vous croyez que je peux aller les trouver et leur demander de le soigner? Je ne vois pas pourquoi ils le refuseraient. Ouais. Si seulement notre oncle était là, il nous aiderait. Oncle Chen. L'oncle Chen connaît tous les secrets des moines de Outan. Il le guérirait. Il est actuellement à Fuyen. Conduisons à Hong. C'est un long voyage. Et alors? Bon, j'irai seul à Outan. Fang Shen Yu, vous êtes très courageux. Que je sois courageux ou pas, cela n'a aucune importance. L'important, c'est surtout que je ne sois pas le laquais de Qing. Ah, Fang Shen Yu, êtes-vous venu ici pour m'insulter? Restez calme, je voulais dire que vous faites leur travail. Et depuis que vous êtes installé à Wutan, vous suivez tous les ordres de Qing. Fang Shen Yu. Non, attention. Fang Shen Yu, ne perdons pas notre temps en discussion. Et dites-moi pourquoi vous êtes venu ici. Je voudrais vous poser une question. Comment avez-vous blessé Hung, mon frère, et à quel endroit? Voulez-vous que je vous le montre en faisant la même chose avec vous? C'est pas utile. Ce que je veux, c'est que vous me disiez comment je dois le soigner. Entendu. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. Je vais vous poser une condition. Je vous en prie. Il faut dissoudre votre confrérie et vous devez cesser de combattre. Ah. Et si je ne suis pas d'accord? Ah, alors dans ce cas, dans 10 jours exactement, maître Hung Shiwan mourra. Si je comprends bien, je n'ai pas le choix. Il vous reste à me défier au combat. Si vous me battez, Fang Chen Yu, alors ce sera différent. D'accord, je vais vous montrer mon Kung-Fu. Ah, votre Kung-Fu n'est pas mauvais. Allons-y. Très bien, oui, très. Vous êtes très fort. Ah, vous êtes très habile. Et vous très rapide. Attrapez-le! Oui, maître! Partons! Que faites-vous ici? Oh, Luc a besoin de vous. Allons-nous-en. Entendu. Allez devant, Luc. Vite, attrapez-les! Fang Shen, n'oubliez pas votre devoir. Partons! D'accord. Est-ce que l'oncle est là? Oh, Fang Chen Yu. Où est-il? Oh, rentrez, s'il vous plaît, il est à l'intérieur. Père! Merci. Nous avons une visite. Qui est-ce? C'est Feng Shen Yu. Ah. Shen Yu, quelle surprise. Oncle. Qui est cet homme? C'est frère Hung Shi Wan. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu parler de lui. Arrêtez, oncle! Oh, père! Père! Oncle Chun, qu'est-ce qu'il vous arrive? Est-ce que vous êtes devenu fou? Feng Xinyou, comment osez-vous parler de cette façon? Vous taisez-vous! Oh, vous êtes... Luchun, allez aider Maître Hung. Nous allons leur rentrer à la maison. Oui. Que faites-vous? Regardez le sang sur le sol, c'est le sien. C'est le coup du papillon. Oncle. Levez-vous, c'est fini maintenant. Vous êtes pardonné. Rentrons, nous sommes mieux. Ça va aller. Comment ai-je pu être aussi stupide? Allons, battez-vous, voyons votre courage. Allez! Oh, frère Hung. Frère Hung. Ah, c'est vous. Hung, vous n'avez pas encore récupéré, c'est pas sérieux. Non, je dois m'entraîner tous les jours au Kung-Fu. Frère Hung, venez. Il n'y a pas de femmes dans la confrérie, c'est ça? Nous acceptons tout le monde. Tous ceux qui, en particulier, luttent contre le tyran Qing. Alors, je peux rentrer dans la confrérie? Vous êtes une bonne combattante, joignez-vous à nous, vous serez la bienvenue. Quoique, est-ce que votre père acceptera? Les pères sont tous les mêmes. Il est très conservateur, il ne sera pas évidemment d'accord pour que je rentre dans la confrérie. Il va dire que ce n'est pas correct pour une jeune fille. Il faut le comprendre. Où est Shen Yu? Nous voulons être des hommes égaux et libres. Donc nous devons lutter et tout faire afin de chasser les pensées de Qing. Oui, 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 j'arriverai toujours à vous battre, toujours, sauf si vous changez cette position et que vous m'attaquez de cette façon. Là, vous me battrez. frère Hung, si vous voulez me succéder, n'ayez pas de scrupules. Pardonnez-moi! Pardonnez-moi! Oh, ah, 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 maître, j'ai fabriqué trois beaux ceci. Hung Shi Wang, Lucas Chai, Feng Shen Yu. Ils vont devenir tous les trois ma nouvelle arme secrète, oui. Luchun, depuis que Hung est ici, tu es bizarre. Oh, mais que voulez-vous dire? Oh, tu sembles être dans les nuages. Eh bien, je... Oh, je comprends. Tu es tombée amoureuse, tu veux qu'il gagne. Et tu lui feras mal plus tard. Il est très intelligent et il a une forte personnalité. Pourtant, s'il ne regarde pas la vérité en face, son orgueil le perdra. Il devra apprendre cela. Car sinon, il sera un danger pour nous tous. Écoutez, je suis sûre qu'il comprendra. Ne soyez pas en colère. Ah, tu ne veux rien entendre. Très bien. Luchun, vous devenez une vraie experte. Elle a bien travaillé votre technique. C'est inutile de la flatter. Sinon, elle va devenir orgueilleuse et ce n'est pas nécessaire. Père, pourquoi dites-vous cela? Shenyu voulait juste être gentil. S'il te complimente, alors dans ce cas, il doit me complimenter moi aussi. Oh, mais vous aussi, vous aimez les louanges. C'est agréable. Frère Hung, toutes mes félicitations. Oh, ça suffit, je ne peux quand même pas battre une fille. Hung, comment peux-tu dire cela? La technique de la grue de l'oncle est très efficace et très secrète. Secrète? Qu'est-ce qu'il y a? Shenyu, où est Ah-Choi? Je suis inquiet. Écoutez, Outan est rempli de gardes. Nous n'arriverons pas à rentrer dans le hall principal. Donc, il est très difficile d'avoir des renseignements précis. Mais nous n'allons pas attendre sans rien faire. Nous devons le sauver. Je suis de votre avis. Nous allons agir. Frère Hung, demain, j'irai avec vous à Wuton. Oncle Shan. Même si j'étais tué, cela n'a aucune importance. Il faut sortir Lucas Chai de là. Père, vous allez à Wuton? Toi aussi, tu viens. Vous avez fait beaucoup pour la Chine et pour le Qing. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est inutile de venir toujours me flatter. J'en ai assez de vos prières. Je ne refuse pas de combattre pour les Qing. Vous savez que je suis très dévoué aux Qing. Mais dites-moi pourquoi vous êtes vraiment ici. Maître, je ne veux rien vous cacher. Alors venez en fait. C'est au sujet de ces trois frères, excepté Lucas Chai, Fang Chen Yu est toujours libre. Ainsi que Hung Chi Wan, ce sont des experts en Kung-Fu et ils sont tous les deux chefs de la confrérie. Ils sont très dangereux. Ah, ne vous inquiétez pas, je m'occupe d'eux, soyez tranquille. J'ai demandé au roi de vous faire travailler officiellement pour nous. Très bien. Ainsi, à présent, tout le monde pourra réaliser le pouvoir qui appartient aux prêtres de Outan. Sois tranquille, sinon tu seras tué. Ah. armes, mais c'est Fang Shen Yu et Hung Chi Wan. Et toi, là, réveille-toi, la déclinante, va à leur rencontre. Bonjour, messieurs. Rentrez à l'intérieur. Nous sommes pressés. Entrez, entrez. Que voulez-vous manger? Servez-nous ce que vous avez de meilleur. Avec une bouteille de votre meilleur vin. Oh, j'en ai un très bon. Tout de suite, mademoiselle. Non, cet endroit est entièrement sous le contrôle du prêtre. Soyez patients et restons sur nos gardes. Oncle, nous ferons tout ce que vous nous demandez. N'ayez aucune inquiétude. D'après les lois, il faut les prévenir que nous sommes ici. Laissez, je vais aller les prévenir moi-même. Fang Xinyou, vite, attrapez-le! Hey yo! Ah, je vous reconnais. Vous voulez vous battre, hein? Vous aimez ça? Écoutez-moi, je ne suis pas venu ici pour me battre. Et alors, pourquoi? Je suis là car mon oncle veut avoir une conversation avec Fung Tao Te. J'amène sa lettre moi-même. C'est un grand honneur pour moi que vous soyez ici aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Fung Tao Te. Mais tout l'honneur est pour moi. Entrez. Après vous. Je vous en prie. Maintenant que vous êtes ici, vous allez me dire quelle est la raison exacte de cette visite. Oh, je vois que vous ne perdez pas de temps en discussion. Très bien. Mon ami que voici s'est battu avec vous. Or, dans ce combat qui a été très important, il a été presque tué par vous. Pour quelle raison? Cher ami, il a failli lui aussi me tuer. Il est très habile. Mais je suis ici afin de négocier avec vous. Vous êtes aussi chinois, comme nous. Pourquoi êtes-vous toujours contre les activités de la confrérie? Ça, c'est mon affaire. Et ça ne vous regarde pas. Ce que je fais ne vous concerne pas. Alors cessez de vous attaquer à la confrérie. Laissez-les tranquilles. C'est pour cela. C'est pour cela que vous êtes ici. J'espère trouver un moyen de nous entendre. Je pense, Monsieur Chung, que vous avez préparé un plan. Je n'ai aucun plan. Hein? Dites-moi alors. Dites-moi alors pourquoi Feng Shen Yu n'est pas avec vous. Monsieur Chung, votre stratagème a presque réussi. Mais malheureusement pour vous, vous m'avez sous-estimé. L'abbaye de Outan est pleine de pièges, je le sais. Mais les pièges peuvent être évités. Je pense que vous n'avez pas de chance aujourd'hui. Votre plan a raté. Et aucun de vous ne sortira vivant d'ici. Garde! C'est ce que nous allons voir. Arrêtez-le! frère! Oung, où est l'oncle? Il va bien. Ce n'est pas pareil pour vous. Que faites-vous? Arrêtez! Chi-Wan, vous êtes fou! Qu'est-il arrivé à Shi-wan? Il est devenu complètement fou. Vous croyez? Nous sommes inquiets. Quelqu'un ressemble à Hung Chi Wan. C'est ma faute. Oui, c'est ma faute. Je me suis trompé. Ah, vous devez être patient avec Shi-wan. Il doit contrôler son tempérament. Le Kung-Fu de Fung Tao Te ne peut pas être battu par la technique de Shaolin seule. Il faut combiner avec celle de la grue. Étudiez cette technique. Et surtout, n'oubliez pas les techniques du singe, du serpent, du tigre, de la grue. Oncle, nous vous écouterons. Oncle! Oncle! Ah, prenez soin de Luchan. Je voudrais que vous la surveilliez. Sa vie est entre vos mains. Promis. Je n'arrive pas à comprendre. Il te ressemblait, c'était pourtant bien ton visage. C'était peut-être mon visage, mais je n'y étais pas. Il y a donc un autre Shi-wan. Oui, c'est cela. Il n'y a pas d'autre explication, Fang. Il y a deux Hung Shiwan. C'est pas possible. J'espère qu'il ne s'agit là que de mon imagination. Ou si ce n'est pas cela, alors il s'agit du prêtre de Wuton qui prépare un complot. Un complot? Oui. Et c'est un complot très ingénieux. Dans ce cas, la confrérie est en danger. Quel complot? Oh, je n'en ai qu'une vague idée. Mais ce sera de toute façon très difficile d'arrêter le prêtre de Outan. C'est vrai. Comment arriverons-nous à prouver que c'est lui? Nous sommes fatigués. Partons. Ne restons pas là. Mais il est impossible de faire quelque chose maintenant. Ce qu'il faut, c'est réfléchir. Après, nous partirons. Croyez-vous que nous pouvons les battre? Achai, avez-vous une idée? Je crois qu'il nous faut un signe de reconnaissance secret. Chacun de nous devrait le connaître. Par exemple, un signe de la main. Et que personne ne pourrait comprendre. Et ce serait quoi comme signe? Et quelle signification? Oh. Frère, regardez ces trois doigts. Et ça voudra dire quoi? Que nous sommes trois. Et ce cercle que nous sommes unis tous les trois. Nous lutterons ensemble contre la tyrannie et nous libérerons notre pays contre nos tyrans. Nous lui redonnerons tous ses droits, par tous les moyens. Êtes-vous d'accord? Bravo! Frère Hong, si vous voulez gagner, n'oubliez pas, vous devez apprendre à vous contrôler. Actuellement, il vaut mieux que nous arrêtions toute activité de la confrérie. Donc, chacune de nos écoles doit fermer. Je suis d'accord. Nous allons nous terrer et nous allons continuer à nous entraîner. Notre ennemi va croire que nous sommes finis. Ils vont donc arrêter de nous surveiller. Mmh, parfait. La confrérie a cessé toutes ses activités et fermé ses écoles. Rien ni personne ne pourra m'arrêter maintenant. Ils ne sont pas bons. Oh, ne criez pas. Vous ne changez pas et vous n'arriverez jamais à les vaincre. Monsieur Chen, que pensez-vous de ma pièce maîtresse? Maître, vous êtes un génie. Ah, il faudrait que tout le monde puisse la regarder. Oui, c'est vrai. Bien sûr, il faut faire quelque chose. Je crois qu'il faudrait faire savoir à tout le monde que l'empereur tient à vous honorer. Nous devons choisir le jour favorable, faisons un festival. Et une cérémonie au temple. Nous choisirons le jour de l'anniversaire du dernier prêtre. Très bien, c'est un jour excellent. Il y aura beaucoup de monde qui viendra. Il faudra une bonne surveillance. La confrérie n'est pas encore morte et ils peuvent encore nous causer des ennuis. Personne n'a le droit de rester ici. Absolument personne. Ce jour-là, tout le monde devra être en grand uniforme. Et tout le monde devra faire attention. De la cérémonie. garde! Vous avez appris la technique de la grue. Nous avons appris beaucoup de choses. Vous ne me faites pas peur. Je vais m'assurer que vous mourrez tous cette fois-ci. Je crois que vous nous sous-estimez. Eh bien, vous allez voir que non. Sortez! Ceci, très réussi. Vous allez pouvoir vous battre avec eux. Fang Chen Yu ne vous ressemble pas. Dites, pourquoi cherchez-vous à nous ressembler? Vous êtes trop curieux. C'est assez frappant cette ressemblance. Étonnant. C'est la fin de la route. Un seul de nous sortira vivant d'ici. Ah, c'est exact. Mais celui qui vivra sera le vrai. Venez m'aider. Relevez-vous. Je m'en occupe, Hung Shi Wang. Je veux me battre avec mon sosie et voir si son kung-fu est bon. allez mourir. Non, c'est vous qui allez mourir. Attention! Pas si fort. Ah, pourquoi cherchez-vous à nous ressembler? Nous devons vous tuer et détruire la confrérie. Ah, ce sont des fous. Ah, arrêtez. Dites-moi, qui est derrière vous? C'est celui que vous avez vu et qui ressemble à Fung Tao Te. Oh, oh. Fung Tao Te? Ouais, oui, celui que vous avez vu n'est pas le vrai Fung Tao Te. Vraiment? Qui est-ce? Oh, celui qui est derrière tout ça, c'est notre dernier prêtre. Le prêtre? Je vois que vous êtes arrivés à les tuer. Bien sûr. À partir de cet instant, la confrérie est à moi. Je vais enfin pouvoir dominer la Chine entière. Maître, vous avez promis de nous remettre à la vie normale si on gagnait. C'est vrai, mais je ne peux plus, j'ai changé d'idée. Je veux que vous dirigiez la confrérie et je veux que tous les moines de Shaolin m'obéissent. Yes, sir! C'est donc vous? Eh oui, nous avons fait disparaître nos sosies. Et voici les vrais exemplaires. Feng Shen Yu, Hung Shi Wan, et moi, Lucas Chai. Et vous, vous allez mourir. Fang Shen Yu essaie d'attaquer avec la technique du serpent. Ensuite, la technique du tigre. Avec la technique du tigre, il touchera enfin le prêtre. Voici la technique de la grue. La technique du serpent, la plus habile. La technique du singe. Avec toutes ces techniques, Fang Chen Yu arrivera à vaincre. Ah!